C'est aux Parisiens, aujourd'hui en France, que la nageuse s'est confiée. Cette fois-ci, c'est bien fini. Laure Manaudou l'affirme, ce n'est pas un coup de tête. Une retraite bien méritée, car à 22 ans, la nageuse affiche le plus beau palmarès de la natation française. Championne olympique à Athènes à 17 ans, Laure Manaudou a apporté à la France la seconde médaille d'or de natation de son histoire. Derrière elle, depuis l'âge de 14 ans, son entraîneur Philippe Lucas, un personnage controversé, mais dont les méthodes ont payé. La jeune femme collectionne les médailles jusqu'en 2007, Anus Horribilis pour Manaudou. Elle quitte Philippe Lucas, rejoint son petit ami italien à Turin, puis revient en France pour s'entraîner avec son frère. Sa vie amoureuse fait la une des journaux. Août 2008, Jeux de Pékin, c'est le fiasco pour la nageuse, aucune médaille. Laure Manaudou quitte le bassin en pleurant. Depuis, la championne a changé deux fois de club avec un bref passage à Marseille. Début 2009, elle annonce qu'elle fait une pause dans sa carrière pour rejoindre son nouveau compagnon aux États-Unis. L'envie de nager n'est pas revenue, mais à 22 ans, Laure Manaudou a tout le temps de penser à son avenir.